On ne peut plus compter le nombre d'âmes perdues déjà sur cette route de tout risque. Rares sont les jours où les dépressions de Sékou et d'Alada n'enregistrent pas des cas d'accident. Ce mercredi, par exemple, alors que certains véhicules roulaient prudemment dans la dépression d'Alada, un gros porteur chargé de céréales en partance du Septentrion n'a pu contenir la course effrénée à laquelle il s'était adonné. Conséquence, d'abord c'est ce 4x4 Lexus qu'il a percuté et mis dans le décor avant d'en finir cette fois-ci avec un autre véhicule de taxi en commun, ce 504 qui le précédait. C'est à faute du gros porteur qui a créé beaucoup d'accidents dans les dépressions à Alada. Ça que j'arrive, moi je vais dire, tous les camions gros porteurs, il y a qu'à le faire doucement. S'il va aller au nord, il y a qu'à le faire doucement. S'il va faire à Cotonou, il va aller faire doucement. Sinon, ce qui se passe, nous n'avons pas l'argent, mais chaque jour là, on fait accident ici là, c'est pas bon. Traîner sur une longue distance avant d'être broyé par la terreur du moment, ce 504, d'après les témoins rencontrés, a perdu de ses passagers sur les 6 qu'il contenait. Par contre, le 4x4 a enregistré 2 victimes sorties indemnes, mais plutôt traumatisées. Dans le taxi en commun, on enregistre un homme, une femme et un jeune garçon qui ont rendu l'âme sur le coup et 3 autres personnes grièvement blessées. C'est la faute du gros porteur. Et le gouvernement a fait quelque chose pour faire le pont aux dépressions, les 2 dépressions à Alada et Sékou. Il n'y a qu'à le faire du pont sinon. Ce n'est pas bon pour nous, les passagers. La route du développement passe par le développement de la route, dit un adage. Pourtant, celle des dépressions de la Lama s'illustre au chapitre des drames.